Ça va venir tout seul. Bonjour, je suis le maréchal logis François, technicien avionique sur Tigre. Alors, ce qui m'a amené ici au départ, j'ai fait de l'école des sous-officiers de Saint-Vexant, c'est pendant 8 mois. Ensuite, j'ai fait une formation généralisée sur tout hélicoptère de l'armée de terre qui a duré 14 mois pour ensuite rebondir sur une autre formation qui, cette fois, est spécifique à l'hélicoptère Tigre de 6 mois. Alors, tout simplement, technicien aéronautique Tigre, nous avons des box avec plusieurs Tigres qui viennent en fait en maintenance c'est mensuel ou calendaire. Et on doit s'occuper de chaque matériel qui a une durée de vie prédéfinie. Moi, je suis spécialisé dans l'avionique, donc tout ce qui est électronique pure de la machine et armement, donc le canon et les emplois, les missiles, roquettes et tout ce qui est en fait le rage. Tout à fait, d'ici 6 mois, normalement, je partirai. Ce qui m'a mené à ça, c'est la formation initiale dans le civil et le fait que l'armée recherche énormément des techniciens assez péchus, parce que c'est assez péchu comme formation, pour s'occuper de tout ce qui est hélicoptère de l'armée de terre. Forcément, il faut une hygiène de vie assez saine, puis en plus de ça, on reste après tout les chefs de groupe de l'armée de terre, donc il faut être prêt physiquement à pouvoir intervenir, quoi qu'il arrive. Alors actuellement, on est en manque de personnel et franchement, le métier est assez passionnant. Donc,